Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je viens d'aller la chercher dans la boîte aux lettres. Là voilà, la box Gloria qui est arrivée aujourd'hui. Donc j'ai super hâte de vous la montrer, de voir un petit peu les produits qu'il y a à l'intérieur. Je sais, hein, j'ai déjà vu les produits qu'il y avait. Donc ça c'est celle de juillet-août. Il y a 9 produits à l'intérieur, voilà. C'est une box normalement qui par mois fait 16,90 € je crois. Et donc là, comme il y a les 2 mois de compris, ils ont prélevé je crois 33 € et quelques, voilà. Donc c'est quand même assez lourd. Eh bien, on va l'ouvrir tout de suite ensemble. Alors tout d'abord, bienvenue à mes abonnés, à mes nouveaux abonnés également. Ça y est, j'ai dépassé les 100. Je suis super contente. Voilà, je vous remercie énormément et écoutez, continuez à me suivre, à vous abonner, puisque comme je vous l'ai promis, d'ici quelques temps il y aura un petit concours d'organiser avec des petits produits à gagner, un lot hein, carrément, et voilà, donc si vous voulez participer, donc le moment venu, je vous ferai ce petit concours donc sur Instagram, voilà, et comme ça vous pourrez participer. En tout cas, merci, merci énormément. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Hein. J'ai juste enlevé l'étiquette. Et je l'attendais avec une grande impatience. Décidément. Voilà, elle est super jolie. Voilà. Donc, elle est dans une jolie petite valisette, comme ceci, qui est super jolie, et d'après ce que j'ai vu, elle est fabriquée en France, voilà. Il y a le petit logo Gloria devant. Elle est super sympa. On n'en a jamais assez, hein, des petites pochettes comme ceci, hein, pour emmener son maquillage en vacances, en week-end. Voilà, une jolie petite, voilà, une petite anse pour la transporter. Et, eh bien, on va ouvrir tout ça. Voilà. Alors, en plus, sympa, il y a un petit miroir, hein. Ça peut toujours servir. Et alors on a, alors là c'est un petit livret qui est comme ceci, et c'est le Fresh Summer Gloria. Alors, vivre d'amour, d'eau fraîche et de clean beauty, ça vous dit. Pour cette double box, je suis partie à la recherche de marques qui ont fait le choix de sélectionner un max d'ingrédients naturels pour vous concocter des produits de beauté bons pour notre peau et notre planète. Pas de gâchis cet été, votre box prend la forme d'un vanity de voyage à glisser dans sa valise cabine max. Team 10 bikinis sinon rien, et dans son bagage cabine, Team je voyage les yeux. À l'intérieur, 2 fois plus de produits pour 2 fois plus de beauté. Des formules clean, des textures fraîches et plein de joie, découvertes que j'ai voulu vous partager. Voilà, un petit mot sympathique. Ensuite, voilà, hein, comme d'habitude, on a la photo de tous les produits avec les actifs, pour qui, la vie de Gloria en plus, voilà, vous avez tout ça, voilà, ce qu'il y a à l'intérieur, et je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Voilà. Voilà, moi je la trouve super sympa cette box pour juillet-août, j'avais hâte de la recevoir, sincèrement. Voilà, allez, on va commencer tout de suite, alors par un produit que je connais déjà. La marque La Rosée, je l'ai déjà testé, c'est une très très bonne marque, c'est une marque française. Moi j'avais acheté l'huile de douche, ça se vend en pharmacie, et donc là ils nous ont mis, donc c'est quand même un flacon de 75 ml, et c'est un masque je crois. Alors, c'est écrit en blanc dessus. Alors, déjà, c'est 99% d'origine naturelle. Voilà, c'est le masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche pour les peaux sensibles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Donc voilà, la marque La Rosée, j'avais testé et j'avais trouvé super. En tout cas, moi, l'huile de douche, j'avais bien aimé. Alors, pour qui? Alors, l'argile blanche kaolin régénérante. Pour qui? Pour les peaux fragiles et sensibles qui veulent repartir de zéro tout en douceur. Pour celles qui cherchent un format pratique, économique et nomade. Voilà, tournez la molette. Alors,
Je ne sais pas si ça se dévisse. Oh, c'est dur. Ah, voilà. Donc, ouais, il y a un petit stick, hein. Si j'arrive à l'enlever. Il y a peut-être un scotch. Non. En tout cas, il est bien protégé. Moi, je vais l'enlever comme ça. Voilà. Ah, voilà. Oui, c'est vraiment. Ça sent super bon. Ah, ça sent super bon. Ouais, c'est frais. Ça sent les fleurs. Donc voilà, c'est un stick blanc, hein. Et donc voilà, il y a un petit fermoir pour pas qu'il s'abîme. Je vais le remettre dessus. Ça sent trop bon. Donc, à tester. Voilà, bien le refermer après. Alors, j'essaye. Alors là, je vais jamais arriver à y lire, hein, de toute façon. Appliquez le stick directement sur votre visage propre et sec en évitant le contour des yeux. Laissez poser 5 minutes en couche épaisse, puis rincez à l'eau tiède. Voilà. Une à deux fois par semaine. Donc voilà, j'avais testé déjà l'huile de douche. Donc ouais, je vais pouvoir tester. Je l'ai vu hein, l'autre fois à la pharmacie, hein, le stick comme ceci. Donc je suis très contente de recevoir ce produit. Voilà. À tester, ça va être bien. Ensuite, par contre, alors, on va commencer. Alors, moi, je ne le connais pas, ce produit-là. C'est le baume, donc 100% naturel. C'est made in France également. Les petits prodiges. Alors, c'est un baume multi-usage. Hein. Voilà. Le format est plutôt sympa. Le packaging aussi. Hein, ça ressemble un peu à une boîte de cirage. Ça n'a pas d'odeur. Voilà. Ça a l'air très hydratant et ça doit faire un peu. Il y a de l'huile d'amande douce riche en oméga 9 qui nourrit et apaise la peau. Pour qui? Sans huile essentielle et parfum, il convient à tous, femmes, hommes, enfants, femmes enceintes, bébés et peau sensible. Un baume qui s'applique partout. Une noisette suffit pour un usage sur le visage, le corps, les lèvres, les mains, en démaquillant, sur les pointes des cheveux, en après-soleil. Ça, en après-soleil, ça peut être quand même assez sympa. Si on prend un petit coup de soleil, que ce soit sur les épaules par exemple, voilà, ça peut nourrir la peau et voilà. Je connais pas, donc je suis contente de pouvoir le tester. Le format est quand même généreux. Il y a 20, non, 30 millilitres. Voilà, et je trouve le packaging assez sympathique. Voilà, ça se visse. Voilà pour les petits prodiges et le baume multi-usage. Voilà. Ensuite, donc on va regarder tout ça. Alors ça, c'est la base hydratante de Elika Beauty. Alors on va la chercher. Voilà, Elika Beauty. Alors moi, c'est pas la base matifiante, c'est la base hydratante, hein. Parce qu'il y a ou la base. Pardon. Ça me fait tousser. Voilà, il y avait soit la base hydratante ou la base matifiante. Et donc, moi, ils m'ont envoyé la base hydratante. Donc, c'est plutôt bien parce que j'ai plutôt la peau sensible. Voilà, c'est un flacon comme ceci, un flacon pompe. Voilà, dans un coloris bleu-violet. Voilà, bah c'est pas mal à tester. Et c'est la marque Elika Beauty. Voilà. Voilà, je vous retrouve. Donc, j'avais un appel téléphonique. Donc, voilà, c'est pour ça que bah, j'ai arrêté un petit peu la vidéo. Donc, j'en étais à cette petite base hydratante qui est. Elle est vegan, elle est éco-friendly à base d'hibiscus et de menthe poivrée. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent dessus?
Alors, elle est à l'aloe vera ultra hydratante pour la base hydratante. Voilà, pour qui celles qui veulent un teint unifié et naturellement rehaussé toute la journée. Voilà donc cette petite base hydratante de la marque Elika Beauty. Bon, ça aussi, je ne connais pas. Hein. Donc voilà, on va pouvoir tester tous ces petits produits. Alors, je vous garde le produit un petit peu insolite pour la fin. Alors là, on a super sympa un gel douche de la marque L'Arbre Vert. Alors, je ne savais pas que L'Arbre Vert, il faisait des gels douche. Il sent super bon. Il est à l'amande, aux extraits d'amande douce. Donc, c'est une crème douche hydratante qui est formulée à base de 95% d'ingrédients d'origine naturelle, hypoallergénique et le pH neutre. Voilà, l'emballage est recyclable également et c'est un flacon de 250 millilitres, donc plutôt sympa. Hein. Voilà, un flacon quand même assez généreux, mais qu'on peut quand même emmener dans un sac de voyage ou voilà, une petite valise. Voilà, plutôt sympa. Je ne vous ai pas dit les prix, je ne sais pas s'ils les ont marqués. Ah si, je vais vous dire ça. Alors, la rosée, donc le stick comme ceci, il est à 16,90 €. Ensuite, les petits prodiges, le baume multi-usage, il est à 14,90 €. L'arbre vert, il est à 2,39 €. Voilà. Et la base hydratante, c'est à 17,90 €. Donc, c'est le même prix que ce soit la matifiante ou l'hydratante. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est Talika. C'est un lipocil. Alors, ça ressemble à un mascara et c'est censé, voilà, Talika, c'est un soin lipocil. Alors la valeur c'est 34,50 €, donc ça doit quand même être, voilà, le flacon est quand même assez généreux, 10 millilitres. Et l'actif, le complexe végétal Talika, il y a de l'amamélis, de la pomme, de l'ortie, du marron d'Inde et du millepertuis qui favorisent la croissance ciliaire. Donc voilà, c'est un mascara pour les cils, hein, on va dire, mais transparent, et qui augmente la densité et la croissance des cils en quelques semaines seulement. Alors moi qui les ai déjà quand même pas mal longs, ça va plutôt être pas mal, hein. J'aurais même plus besoin de mettre des fossiles. Voilà, comme ça se présente, hein. Comme une brosse de mascara classique, hein. Voilà, et voilà, exprès pour la pousse. Hein. Pareil, hein, Talika, je ne connais pas cette marque. Alors, c'est pas marqué si c'est. Non testé sur les animaux, je sais pas du tout. Mais bon, comme je pense qu'elle est quand même que c'est une box quand même assez pour l'environnement, je pense, hein, mais c'est pas marqué. Donc voilà pour ce petit mascara pour la pousse des cils. Ensuite, alors on a un joli petit vernis à ongles. C'est de la marque Nude Experience, donc c'est un joli vert. La teinte, c'est la teinte, j'arrive pas à lire si c'est 47 ou 67, enfin c'est la teinte Copenhague. Et voilà, donc c'est cette teinte comme ceci, plutôt sympa. Le pinceau a l'air pas mal. Et apparemment, j'ai vu, ils mettent que. Il est assez, même rien qu'une couche, voilà, il est bien, enfin bien épais normalement. Voilà, ça s'applique comme un vernis classique, hein. Appliquez une première couche de vernis sur vos ongles propres et limés, et voilà, si besoin, appliquez une deuxième couche. Donc une teinte plutôt jolie pour l'été. Voilà, c'est des teintes qui sont bah, passe-partout, hein. C'est un petit verre d'eau comme ça, voilà, plutôt sympa. Ensuite, on a un petit rouge à lèvres, voilà, que je vais essayer de vous trouver. Voilà, il est là. Donc, le rouge à lèvres de la marque Pomponne. Alors, make-up soin green. Voilà.
Alors, c'est un rouge à lèvres hydratant naturel et vegan d'une valeur de 26 euros. Je ne vous ai pas dit le prix. Voilà, l'hypocil, si je crois que je vous l'ai dit, c'était 34,50 euros. Donc là, pomponne un petit rouge à lèvres hydratant naturel et vegan. Une algue de Saint-Malo qui améliore le taux d'hydratation des lèvres, redessine le contour et augmente leur volume. Donc, voilà, dans un tube, bon, classique, hein, un petit tube sympa. Et donc, voilà la couleur. Qui est plutôt joli. Ah, c'est un petit rose. Je vais essayer. Franchement, moi, les couleurs comme ça me dérange pas, hein. J'aime bien. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, c'est des couleurs super agréables l'été. C'est vrai qu'il a l'air bien crémeux et confortable. Après, voilà, c'est pareil. Hein, je ne suis pas sûre que si en mangeant, en buvant, le rouge va rester longtemps. Mais voilà, plutôt sympa. Et alors ensuite, le produit qui. Alors, quand je l'ai vu sur le site Gloria, m'a plutôt interpellée. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des cocons de soie exfoliants de la marque Sleeping Club. Alors, c'est 100% naturel et c'est pour exfolier bah, le visage. Hein. Alors, je vais déjà ouvrir parce que ça m'intrigue énormément, cette chose. Alors, ça se présente comme ceci. Je vais essayer d'ouvrir quand même parce que je suis. Mais ouais, c'est des cocons. Alors, c'est des cocons, ils mettent des cocons de soie exfoliants. Donc, il y en a pour 7 jours. C'est la soie de mûrier. C'est antibactérienne et hypoallergénique pour qui toutes les peaux et en particulier celles sensibilisées par les cotons. Alors, je vais essayer de l'attraper. Voilà comment ça se présente. Voilà. Et d'après le mode d'emploi, vous l'insérez avec le doigt, comme ça. Il faut le mouiller, je crois, et puis passer sur le visage, le nez, enfin aux endroits où vous voulez exfolier un petit peu. De toute façon, je pense que je vous ferai une vidéo, hein, crash test de ça. Mais ça m'a vraiment intrigué ce produit. Voilà comment c'est vraiment, on dirait un petit sabot, hein, d'ailleurs. Vous voyez, vous commencez. Donc vous, normalement, d'après le mode d'emploi, voilà, on glisse le doigt à travers. Et alors, soit on passe, comment ils mettent? Appliquez-le sur vos lèvres. Non, ça c'est le rouge à lèvres, c'est pas ça. Trempez le cocon dans de l'eau tiède pendant 1 à 2 minutes. Humidifiez votre peau et placez le cocon au bout du doigt. Réalisez de petits mouvements circulaires sur l'ensemble du visage et il faut rincer à l'eau fraîche. Voilà, je vais les remettre dedans pour pas les manipuler avec le doigt. Mais voilà, le petit pochon, c'est plutôt sympathique. Voilà, dans un petit sachet comme ceci. Et donc, il y en a 7. Après, soit on peut appliquer une fois par semaine, éventuellement, ça peut. Voilà, comme ça durera un petit peu plus longtemps, 7 semaines. Voilà, et apparemment, donc, Sleeping Club, ils sont plutôt spécialisés dans. Il me semble que j'ai vu, je suis allée sur le site. Ils sont plutôt bah, dans le coton, mais le linge, les choses comme ça. Et là, apparemment, ils font des produits Silk Beauty. Voilà, mais j'ai vu que ça, hein, j'ai pas vu d'autres produits cosmétiques avec. Voilà, mais bon, plutôt sympa. Voilà, en tout cas, je suis très très contente d'avoir reçu cette box Gloria. Et voilà donc la petite pochette. Hein. Ici, vous avez une petite poche pour y mettre, ben, je sais pas, soit. Du coton, quelques pinceaux et voilà comment elle se présente. Je crois qu'elle est. Il me semble, voilà. En tout cas, elle est bien, bien, bien jolie. Voilà, elle est super jolie et les finitions sont très, très bien. Elle est super bien faite avec un petit miroir. Voilà, ça peut toujours servir. Voilà, bah, je vais remettre tout ça dedans. On va remettre tout ça. Le gel douche. Voilà. C'était bien rangé. Hein. Normalement, ça devrait refermer. Et voilà, une fois refermé, je vais remettre le petit. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire.
un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Si vous aimez mes contenus, ça me fait super plaisir. Voilà, un commentaire, je l'ai dit. Abonnez-vous, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à partager également mes vidéos, voilà, si ça vous plaît, voilà. Et puis bien, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.